coming and they don't stop coming. Back to the rules and I'm really down running. It don't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You never know if you don't glow. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Put your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Thank you.
Je suis capable d'appeler. Ah, c'est bon là? Je suis comme, je le voyais par la main.
Si, il y a la deux. Elle doit être dans le milieu du cercle. Oh, elle est là, la deux. Tu l'as en dessous. Ah, oh, puis là, elle est là. Tu joues en dessous, puis tu sens la deux dans le dos. Bon après-midi, mesdames et messieurs, monsieur Jeff de Saint-Laurent, le club hockey, les Patriotes, aussi la but cordiale des bienvenus à l'Arena Rouen-Nord de Caron pour le match de la saison régulière. Hockey masculin D1, posant cet après-midi, les lauréats de ce jeu de Saint-Hyacinthe face à nos Patriotes. Les lauréats ne sont pas en uniforme, le numéro 40, Noël Potvin, le numéro 7, Jérémy Lefebvre, le numéro 20, Marc Charpentier, le numéro 29, Justin Lemay, le numéro 63, Kevin André Blanchette, numéro 79, Kyle Bartle. Pour les Patriotes, numéro 11, Simon Jacob. Numéro 23, Olivier Roy. Numéro 48, Sacha Trudel. Numéro 79, Tom Burnet. Et le numéro 30, William Robbie. Les arbitres pour le match de cet après-midi, l'arbitre en chef, Jérôme Tremblay et Vincent Dugra. Et les juges de ligne sont Samuel Paré et David Russell. Voici maintenant l'animateur des deux équipes. Tout d'abord, pour les lèvres cégep de Saint-Hyacinthe, dans les filets, le numéro 39, Esteban Gauthier. Et le numéro 9, Tyler Sundergaard. Et le numéro 10, Thomas Levereux. Le numéro 27, Mathis Cyr. Le numéro 52, Edouard Crépanier. Le numéro 59, Anthony Leduc. Et maintenant, voici l'aliment partant de votre président, le chef Tim Archambault. Dans les filets, le numéro 31, Eve Gaston. Le numéro 9, Zachary Aprea Ricard. Le numéro 12, Isaac Toussaint. Le numéro 26, Danny Latour. Le numéro 56, Carl Anthony Massé.
Et le numéro 88, Antoine Gagnon. Et maintenant, M. Lechebourg, c'est pour l'interprétation de l'Union nationale canadienne. Gracias.
La maison va être de l'organisation de Jean-Michel Gardin, qui va être arrivé à 7 minutes dans 5 secondes. Regardez cette courbe, il est dégagé jusqu'à l'autre bout. Bien, il est Charon qui a le dit. Après les frères, il y a quelques peu qui séparent, il contourne le filet. C'est un peu plus de temps.
premier tir, le tir à la défensive, et un autre qui va tirer à la défensive. C'est l'effort qui va faire des lauréats. Deux chances en or, ratées par les Patriotes. Gagnon et Latour qui ont eu des chances en or avec une filet complètement désert. On est bien capable de marquer. Passez, contrôle le tir, concertant de revenir. Venez de l'autre côté, retour le tir, et le but! Thank you.
Sandergaard est ici en fond de territoire. Ils ont finalement réussi à récupérer Sandergaard retour derrière le gardien du centre. Donc c'est vraiment mal à le troisième but des Patriots, c'est le match par le numéro 19, Michael Gagné. Avec le numéro 57, Carl Anthony Massé, à 6 minutes 44 secondes. Une partage numérique. Merci, c'est bien. Merci, c'est bien. Merci, c'est Thank you.
le quatrième de l'épargne, Marco Palano, 17, Gianluca Guarnieri, assisté du numéro 57, Carl Anthony Massé, et du numéro 88, Antoine Gann. À 9 minutes, c'est un match de première. Et prise 2, semblerait qu'on m'entendait très mal jusqu'à maintenant depuis le début du match. Les Patriotes qui mènent en ce moment 4-0 sur les lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe. Et je vous le rappelle, excusez ma voix, cette belle voix automnale. Avec le changement de température, eh bien, je vous garantis qu'elle en arrache en ce moment. La mise en jeu s'est remportée par Michael Gagné, récupéré ensuite par les lauréats. Ce jeu de passe intercepté. Gagné tentait de resurprendre le gardien Bisson. Avait réussi à marquer tantôt un avantage numérique de cette façon. Ça a été bloqué et récupéré par la défensive ensuite. Des lauréats s'est dégagé jusqu'à l'autre bout. Gascon sort de son filet. Finalement, ça va être récupéré et on va remettre de Gamache à Gagné jusqu'au centre. Michael Gagné voulait remettre à William O'Brien qui était venu en appui. Passe qui a été intercepté et dégagé ensuite. Après, laisse derrière lui pour William O'Brien qui remet à Gagné. Et vers Apréa ensuite à Gamache. Tout juste devant lui, il trouve Alexandre Côté. Se fait de la place, un tir, rate la cible. Tout juste à côté de Bisson, là, une belle chance de marquer pour Alexandre Côté. Il avait très bien joué tout près de la ligne bleue. Les lauréats contre-attaquent pendant ce temps-là. C'était la flamme qui transportait le disque. Un jeu qui avorte, se retrouve derrière Gascon ensuite. Bataille le long de la rampe. C'est Beaupré qui avait le contrôle du disque qu'on a réussi à remettre à la pointe. C'est Mainville maintenant. Remet au cercle. Tir bloqué ensuite par la défensive des Patriotes. Ça se retrouve dans le filet protecteur. Et on entend le coup de sifflet. À la droite de Eve Gascon, c'est Simon Chartrand qui remporte, mais les lauréats sautent sur cette rondelle. La flamme est mise en échec ensuite par Laurent. Passe en sortie de zone interceptée. Un tir qui est ensuite bloqué. Touche le filet protecteur. On entend à nouveau un coup de sifflet. La gauche de Eve Gascon, c'est remporté par Simon Chartrand et Mathis Laurent va les récupérer, remettre à Tristan Dulude, rejette en coin de territoire. Bisson sort de son filet, aide la sortie de zone, glisse cette rondelle le long de la rampe, ça va être récupéré ensuite par Mainville. En accélération, tente de déjouer la défensive des Pats, c'est bloqué, la confusion devant le filet de Gascon, effectue l'arrêt avec sa jambière ensuite. Réussit à sauver les meubles, Mainville remet à la pointe, un tir qui est dévié, ça se retrouve dans les airs et dans le coin ensuite. Mauvaise passe de Mathis Laurent. Voulait remettre dans l'enclave ensuite. L'attaquant des lauréats, ça a été dévié. Ça se retrouve tout près de la pointe. Sondergaard tente de récupérer ce disque. Remet en fond de territoire vers Beaupré. Et en bataille, c'est Chartrand qui la remporte. Dulude en fin de présence tente de rejoindre cette rondelle. Incapable. Et Bisson s'agenouille, immobilise cette rondelle pour amener le coup de sifflet des officiels. 7 minutes à faire. Au cercle, c'est remporté par Carl-Anthony Massé. Rejette
le long de la rampe. C'est remis à McKenna. McKenna tentait de rejoindre Antoine Gagnon au centre. Ça a été intercepté. Et c'est ensuite Drapeau qui va tenter de dégager en fond de territoire des Patriotes. C'est raté. Rondelle qui se retrouve en zone neutre et récupéré par William O'Brien. Glisse à sa droite à Antoine Gagnon. Prend un tir. Ça se rend dans la baie vitrée. McKenna empêche la rondelle de quitter le territoire. Remet à Latour qui récupère avec sa main. Voulait remettre à O'Brien près de la ligne bleue. Jongle un peu avec le disque et ça passe près de quitter. En contre-attaque, maintenant c'est Loranger. Remet en fond de zone. Gascon quitte son filet. Rejette le long de la rampe. McKenna à la poursuite de ce disque. S'y reprend un tir. C'est bloqué par le coude de Massé qui Latour va récupérer. Remettre à Gagnon de l'autre côté. Incapable de s'y rendre. La Gacette ici va rajouter l'autre côté maintenant. Le Réa amorce leur sortie de zone. La Flamme récupère ses 10, déborde la défensive, se crée d'espace au haut des cercles. La Flamme prend un tir bloqué par la défensive des Patriotes maintenant. Veut revenir devant. Ça a été encore une fois intercepté. Et on va amorcer la sortie chez les Patriotes. Gagnon. Il se contente de rejeter en fond de territoire maintenant. Latour incapable de récupérer le disque, évite la mise en échec. Et bonne mise en échec de Isaac Doucet ensuite. Ça va créer un surnom par contre. En contrôle du disque. Un tir et directement dans la mitaine. Ça va naître du bâton d'Alexis Mainville. Gascon effectue l'arrêt sans aucun problème. Mise en jeu remportée par Hugolin Marcon en coin de territoire. Après, elle va aller rejeter de l'autre côté. Miketti va tenter d'aller récupérer. C'est réussi. Elle voulait remettre de l'autre côté et ça a été intercepté ensuite. Gascon repousse une rondelle qui revenait près d'elle avec son bâton. Une rondelle qui est ensuite rejetée à la pointe. Et là, une passe d'un côté à l'autre. C'est intercepté par Woodard. Ça se retrouve jusqu'en territoire des lauréats. Et Marcon, en zone neutre, va vouloir remettre à Laurent. Passe manque de précision. Et Laurent va devoir revenir sur ses pas. Belle feinte entre les patins de Saint-Jean. Marcon va récupérer et s'échange le disque avec Woodard. Rejette transversale dans l'autre coin. Les lauréats vont récupérer derrière le filet. C'est Sondergaard. Rejette le long de la rampe. Et en course, c'est Guarnieri qui est là avec la coursière. Et Guarnieri, bon repli, réussi à récupérer en arpentant la rondelle. Remet ensuite à Laurent. Mauvaise passe. C'est rondelle libre maintenant au cercle. Beau repli de Miketti à nouveau. Woodard, contrôle du disque. Veut déborder la défensive. Bon repli de Leduc qui lui soutire la rondelle. Marcon est ensuite frappé. Woodard vient appliquer une bonne mise en échec en fond de territoire. Dégagement coupé dans des patins. Rondelle libre dans l'enclave. Un tir, ça a été bloqué à nouveau. Ça brasse un peu devant le filet pendant ce temps. Woodard et Lagacé-Tessier. Bataille le long de la rampe maintenant, c'est récupéré. Gamache va contrôler. Deux bonnes feintes de Jérémy Gamache pour éviter des mises en échec en plus. Réussit à conserver le disque. Gagné près de la ligne bleue, jongle un peu avec le disque et celui-ci va quitter la zone finalement. Laisse de l'autre côté à O'Brien qui remet devant vers Alexandre Côté. En contre-attaque, un bon tir, ça a été bloqué dans les patins de Kevin McKenna. Tir qui provenait du bâton de Lebreu. Récupérer la chute le long de la rampe. Gamache va récupérer cette rondelle, permet de s'échapper. Jérémy Gamache s'amène devant Bisson. Deux feintes, trois feintes, tir. Chute, quel arrêt de gardien Bisson. Retour devant, autre déplacement du gardien Stéval Bisson. Quel arrêt du gardien des lauréats qui s'est donné à fond pour effectuer deux arrêts coup sur coup avec ses jambières. 3 minutes 33 à faire à la première période. Les Patriotes qui se sont donné une solide avance de 4 buts. Au cours des 10 premières minutes de jeu. Gagné devant Mainville à la mise en jeu, c'est remporté par le centre des Patriotes. Après, Ricard remet dans l'enclave parce qu'il ne trouve aucun preneur. Et Doucet est là avec une rondelle dans les patins. C'est finalement botté à l'extérieur du territoire. Et c'est Apria justement qui va venir récupérer en zone neutre, remettre à Gamache en fond de territoire. Et c'est une mise en échec et Côté va vouloir remettre en sortie de zone à son coéquipier. C'est finalement raté. Va aller récupérer son erreur et récupérer le disque. Remet à gagner au centre. Gagner en entrée de territoire. Remet à Doucet en fond de zone. Isaac Doucet veut remettre dans l'enclave. Passe interceptée. Deux jeux qui ont été bloqués. Et Mainville, en jonglant avec la rondelle dans ses patins, va récupérer, rejeter d'un lob en zone neutre. Dégagement d'Apria qui a été coupé.
Joueur des Lauriers qui a ensuite chuté. C'est Doucet qui va contrôler le disque. Feinte et ça frappe l'extérieur du filet maintenant. Après avoir récupéré. Remettre devant Stivaleta. Stivaleta en accélération. Se fait soulever le bâton par Drapeau. Des joueurs. Joueur des Patriotes, Drapeau, beaucoup d'espace. Prend un tir, c'est bloqué dans le plastron d'Ève Gascon. Il donne aucun retour. Mais on va aller reprendre à la droite. Mise en jeu remportée ensuite. Par les lauréats, c'est Laurent ensuite qui va aller récupérer une rondelle libre en fond de zone. Laisse tout juste à côté de lui à Chartrand. Et Stivaleta récupère, remet à Laurent complètement de l'autre côté. Laurent en accélération au cercle, déborde la défensive, contourne le filet. Et le filet qui s'est désancré de ses amarres. Et l'officiel donne un bon coup de sifflet. On va aller reprendre à la gauche de Bisson. Mise en jeu remportée par Mainville. En territoire défensif. Dégagement, ça frappe la vitrée. Mauvais bond, ça revient dans l'enclave. Et Stivaleta était incapable de contrôler le disque. Alors qu'il était complètement seul dans l'enclave à la suite de ce mauvais bond de la baie vitrée. Là. Mise en échec et sortie de zone interceptée par Tristan Duluth. La rondelle qui n'a jamais quitté le territoire. Ça a permis à Guarnieri de récupérer. Il se retrouve dans l'enclave avec une rondelle sur son bâton. Et son tir qui est bloqué par Esteban Bisson. Un peu de brasse camarade pendant ce temps devant le filet. 1,50 à faire à cette première période. 4-0 les Patriotes qui mènent. Avec un excellent début de période. À gauche de Esteban Bisson, mise en jeu remportée par Saint-Jean-des-Lauréats. Modèle qui a été roulé le long de la ronde. La coursière a rejeté derrière la défensive des Patriotes. C'est Gagnon qui va aller récupérer. Il voulait remettre de l'autre côté. Ça frappe les patins de la coursière, justement. Gagnon récupère la rondelle libre. La contrôle au cercle. Long dégagement jusqu'à l'autre bout. Ça frappe la rampe. Et Bisson immobilise ce rebond, justement. Tentative de très long jeu avec Carl-Anthony Massé qui est en pleine accélération. Qui est en voie de remporter la course pour éviter le dégagement refusé. Massé remporte la mise en jeu, mais tout de suite la rondelle qui a été interceptée par Chouinard a rejeté le long de la rampe. Un tir s'est dévié, le tir et le but! Et là, on refuse le but de Antoine Gagnon qui a fait dévier ce tir. Les officiels vont se consulter, mais jusqu'à maintenant... On refuse le filet d'Antoine Gagnon qui avait fait dévier ce tir. On juge qu'il a touché la rondelle trop haut avec son bâton. Les enjeux remportés par les lauréats sont ensuite dégagés jusqu'en territoire des Patriotes. McKenna échappe le disque et Gascon va se compter de rejeter de son revers du bâton le long de la rampe vers la tour. Belle passe vers Antoine Gagnon qui vient de se faire refuser un but. Il remet de l'autre côté à O'Brien qui échappe un peu le disque en entrée de territoire. L'officiel lève le bras et appelle le hors-jeu. Alors qu'on approche la dernière minute de cette première période, les Patriotes se sont forgés une avance de 4 buts au cours du premier 20. Miketti remet à Doucet. Doucet tente de remettre de l'autre côté, passe interceptée, ça va être récupéré par Leduc. Leduc en accélération, prend un tir, retour donné par Ève Gascon. C'est rare un retour avec la mitaine comme ça. Rondelle qui a échappé de sa mitaine. Passe ensuite qui provenait du bâton de Lebreu, ça a été intercepté par Apria qui est mise en échec tout de suite après. Après, Arca remet de l'autre côté à son partenaire. Doucet remet au centre vers Marcon, passe qui manque de précision, elle glisse jusqu'à Esteban Bisson. Va immobiliser avec 35 secondes à faire à cette première période.
Et on refuse la mise en jeu, là. Officiel qui a amené un coup de sifflet. En discussion avec le banc des marqueurs. Et finalement, tout est beau. On reprend. Mise en jeu remportée par les lauréats. C'est Cyr qui est venu en aide à son joueur de centre. Marcon prend un tir. C'est en lob jusqu'à Gauthier. Capte avec sa mitaine. Aucun retour. On a écoulé 9 secondes depuis le dernier arrêt de jeu. 26 à faire. Mise en jeu remportée par l'Oranger qui a rejeté en coin de territoire et dégagement intercepté par Michetti. Protection de rondelle, remet derrière le filet à Marcon. Laisse la rondelle de l'autre côté, ça frappe un joueur devant le filet et c'est récupéré ensuite par Drapeau. Drapeau accélère en entrée de zone, rejette derrière le filet ensuite. Contrôlé par Blouin, prend un tir directement dans la baie vitrée. Et c'est ainsi que va prendre fin cette première période. Les Patriotes qui se sont forgés une avance de 4 buts dans les 10 premières minutes de jeu. 20 tirs pour les Patriotes, 11 tirs pour les lauréats. On se laisse pour une quinzaine de minutes et on se retrouve tout de suite après pour la description de la deuxième période des Patriotes qui mènent 4-0 sur les lauréats du cégep de Saint-Hyacinthe.
Et on est de retour pour la description de cette deuxième période. Les joueurs sont revenus au centre. C'est remporté par Chartrand, les Patriotes qui mènent 4-0. Stivell étant en contrôle, rejette en fond de territoire. Sir va aller s'interposer, suivre la mise en échec. Ça va être ensuite récupéré par Sundergaard, rejeté sur la rampe. Et la flamme va tenter de passer au centre. Ça frappe des patins. Dulude va récupérer. Remise de Stivaletta vers Chartrand. Bisson rejette. Gauthier, pardon, va rejeter en coin de patinoire. Tire de la prière Ricard directement dans le plastron d'Estébal Gauthier. Effectuer l'arrêt sans aucun problème. Et on va reprendre à sa droite. À droite du gardien Gauthier. C'est remporté par Michael Gagné. Rondelle qui est rejetée ensuite derrière le filet par la rampe. Lagacé-Tessier va rejeter au centre. C'est Drapeau qui récupère, rejette. Ah, un tir. C'est au centre, c'était seul en échappée. La belle arrêt de gardienne Eve Gascon. Rondelle libre et laissée dans l'enclave. Un long retour. C'est bloqué ensuite à nouveau. Lagacé-Tessier maintenant. Autre tir. C'est bloqué en défensive. Et rejeté jusqu'à la ligne rouge. Gamache applique pression. Tout près de la ligne bleue. C'est rejeté en fond de territoire. Et à la pointe, tir de Lagacé-Tessier. Bloqué à nouveau par Gascon qui répond présente en début de deuxième. Garder son équipe dans le match. Gagné harponne la rondelle le long de la rampe. Applique les freins et près de la ligne bleue. Voit l'oranger se replier. Laisse à Gamache. Un tir s'arrête à la droite de Stéphane Gauthier. On va tenter de rejeter maintenant. Et alors que l'officiel donne un coup de sifflet, on appelle une passe avec la main. À l'extérieur du territoire des Patriotes, à l'extérieur du territoire, pardon, des Lauréats, c'est remporté par les Pats. Gagnon tente d'harponner cette rondelle, réussit finalement à la récupérer, en prendre le contrôle. Et revient en zone neutre. Gagnon, et ça échoue finalement. Trépanier va s'interposer, récupérer. Et Laurent va laisser à Guarnieri. Longue passe jusqu'à Danick Latour. Latour remet à Massé. Jeu qui est ensuite intercepté. Et Lebreu va rejeter en fond de territoire avant d'être mis en échec. Tout juste devant nous, Mathis Laurent va récupérer. De Laurent et directement dans les patins à Gagnon au centre. Remet à Latour parce qu'il manque de précision et là c'est très décousu au cours des derniers instants. Gagnon contrôle le disque, applique les freins en entrée de territoire, prend un tir, c'est bloqué par le bâtonnier. Et le Duc va le tenter de lui remettre parce qu'il manque de précision. Belle feinte de Gagnon près de la ligne bleue, remet de l'autre côté à Latour. Fin, tir et directement dans le plastron d'Estébal Gauthier. Il va effectuer l'arrêt. Mise en jeu remportée par Saint-Jean. C'est dégagé ensuite dans la baie vitrée et McKenna voulait récupérer avec sa main. C'est raté. O'Brien en course avec la coursière. C'est remporté par O'Brien. Il rejette en fond de territoire. McKenna va ensuite aller récupérer le disque. Passe ensuite en sortie de zone de O'Brien vers Marcon qui harponne le disque. Voulait tenter de s'échapper. Et Gauthier met la main sur la rondelle. Aucun retour. Amène le coup de sifflet des arbitres. On va aller reprendre à sa droite les Patriotes qui mènent toujours 4-0 en début de deuxième période. Les enjeux remportés par les Lauréats. Mainville va rejeter dans la baie vitrée. C'est intercepté ensuite par McKenna avec beaucoup de pression sur lui. Ensuite, en jonglant avec le disque, Marcon va réussir à les récupérer. Rejette de l'autre côté. Avait pour cible Woodard. Et ensuite, un revirement, là, c'est Charon. Charon arrive au cercle, remet de l'autre côté le tir. Quel arrêt de Gascon! Retourne en clave et avec énormément de difficulté, Alexis Mainville va pousser cette rondelle derrière la gardienne Eve Gascon qui s'était déportée dans son déplacement. Et les Lauréats qui marquent le premier du match de leur côté. C'est 4-1.
Et Gascon avait effectué une superbe arrêt dans son demi-cercle. La défense des Patriotes incapable de dégager. Mainville saute sur le retour et marque le premier de son équipe. C'est remporté au centre par Saint-Hyacinthe. Les défenseurs s'échangent la rondelle. Et on rejette vers l'avant. C'est après Arcor qui a intercepté une passe ensuite. Il voulait remettre à Stivaletta. Après, on va venir en support. Remise dans l'enclave. C'était pour Dulude, incapable de prendre un bon tir. Et là, tir qui prenait du bâton d'Apréa. Ça a frappé le bâton. La jambière de Dulude. Stivaletta voulait mettre en échec un joueur. Et l'a fait de une bien mauvaise façon. Va être puni d'ailleurs pour son geste. Aller sur Stivaletta alors qu'on touche à la rondelle. Et on entend les officiels. Va être puni pour rudesse, Alessio Stivaletta. Mainville devant Chartrand, c'est remporté par Mainville. Charon à la pointe. Remet le long de la rampe à Cyr. Applique les freins, revient sur ses pas. Bel harpon de Chartrand, mais s'est réussi à remettre à son coéquipier et ensuite va aller récupérer lui-même. Mais à la flamme. La flamme à Charon. La flamme. La flamme au cercle. Ramène par la rampe à Charon. Rejette de l'autre côté à Cyr. Au du cercle gauche. Cyr à la pointe maintenant à Charon. De Charon à la flamme. Tir bloqué de Tristan Dulude. Se sacrifie pour l'équipe. Bon tir bloqué. Bataille maintenant pour la rondelle. Ça va être récupéré par les Patriotes et ils vont réussir à dégager jusqu'à l'autre bout. Bisson va y aller d'une longue passe vers Cyr en quittant son filet. Cyr rebrouche chemin. Et ça va être recommencé pour les lauréats. 1-13 à faire à l'avantage numérique. Mainville en contrôle. Revient sur ses pas. Remet à l'arrière à Cyr. Rejette derrière Gascon. Tente de sortir de son filet incapable. Guarnieri vient l'aider. Et c'est un dégagement ensuite. Frappe des patins. Chartrand et Marcon à la poursuite de ce disque. Marcon va rejeter jusqu'à l'autre bout. Bisson quitte son demi-cercle en contrôle. Sous la pression de Chartrand, échappe le disque et vient être aidé par sa défensive. Ensuite, c'est une longue passe qui manque de précision. Le dégagement va être refusé. On va retourner jusqu'au territoire des lauréats qui auront droit à encore 48 secondes d'avantage numérique avec 15 minutes 12 à faire à cette deuxième période. Guarnieri récupère sa disque et dégage jusqu'à l'autre bout après une mise en jeu remportée. Les lauréats vont relancer leur attaque. En contrôle maintenant derrière le filet, c'est toujours Cyr. Remet à Gaudreau, passe au centre ensuite. C'est Lebreu qui est en contrôle. Lebreu rebrouche chemin au cercle, remet à la pointe à Drapeau. Remise de l'autre côté vers la Gassette. Ici, passe dans l'enclave, c'était pour Trépanier, ça rate. Se trouve en coin de territoire. Patriotes vont ensuite récupérer. Massé réussi à pousser cette rondelle jusqu'en zone neutre. Et Lagacé Tessier va récupérer, remettre à Trépanier en entrée de territoire. Remet à, laisse à Lebreu. Passe transversale jusqu'à Gaudreau pendant que la pénalité termine. Longue passe au centre. Stivaletta vient de quitter le banc des pénalités, étant poursuivi de cette rondelle. Remise au centre maintenant vers Drapeau qui laisse à Lebreu. Au cercle, prend un tir dans le masque de Gascon qui effectue l'arrêt, laisse le retour. Autre tir, au cercle, bloqué, rondelle libre dans l'enclave. Côté récupère. Frappe la Gassette ici qui chute. Et Gamache va venir en aide à ses défenseurs. Remet à Guarnieri de l'autre côté qui pousse avec d'une main vers côté. Ensuite, passe avec Guarnieri et la rondelle qui quitte le territoire défensif. Et Gamache, là, n'est pas d'accord avec la décision des officiels alors qu'on appelle passe avec la main. C'est ce qu'on expliquait à Jérémy Gamache là, qui se plaignait qu'on appelle une passe avec la main alors que Guarnieri était dans le territoire défensif. Il doit récupérer cette rondelle également en territoire défensif pour que ce soit accepté. Stivaletta voulait remettre de l'autre côté à Gagné. Jeu qui est finalement coupé. Là, passe sans regarder de Michael Gagné. Ça rate quelque peu. Il va réussir quand même à récupérer à partir de son territoire. Finalement, rebrouche chemin. Et la flamme était à sa poursuite.
gagné en contrôle, réussit à éviter l'hors-jeu avec Gamache, lui laisse derrière le tir, ça rate tout juste à côté de Gauthier. Rondelle qui s'est rendue jusqu'à la pointe, ça a été bloqué. Là, Gamache empêche la sortie de zone, qui cause un revirement. Gagné incapable de contrôler le 10, ça va être ensuite dégagé par le Duc et ça va être un dégagement refusé. On va retourner en territoire défensif des lauréats. Mise en jeu remportée par les Patriotes et bataille maintenant le long de la rampe. La rondelle qui est immobile, le Duc est là, ça bouge très peu. Finalement, ça sort et ça va être récupéré par Charon qui va rejeter le long de la rampe à Laflamme. Laflamme échappe le 10. C'est Charon qui va venir récupérer en pleine accélération avec Mainville. Lui donne la rondelle. Mainville seul devant Gascon. Quel arrêt! Le gardien de Gascon dans une chute réussit à botter cette rondelle. Ensuite, passe avec le filet pour lui-même de Massé. Voulait remettre à Doucet. Ça manquait de précision. Dégagement qui est accepté. Et là, on sort le genou tout près de la ligne bleue. Charon sur Doucet. C'était dangereux, là. En entrée de territoire. 12-31 à l'affaire à cette deuxième période. C'est remporté par les lauréats au centre. Remise solide, mise en échec de Mathis Laurent. Directement sur Christophe Desgagnés qui attendait une rondelle. Et ouais, au bon moment, boum! Laurent sort l'épaule. En sortie de territoire, Woodard échappe le 10. C'est Marcon qui va aller récupérer ensuite. Marcon applique les freins. Frappé par Desgagnés en bataille le long de la rampe maintenant. Ça va être récupéré par Saint-Jean. Va remettre à la pointe un tir. C'est haut et Gascon met la main sur la rondelle. Laisse le retour finalement. Repousse la rondelle dans les patins de Laurent qui va remettre de l'autre côté à Guarnieri. Guarnieri passe qui manque de précision. Ça va être intercepté ensuite par le défenseur Cyr. Longue passe à rater et Mathis Laurent va récupérer, contourner le filet, remettre en sortie de zone à Woodard. Glisse de l'autre côté à Stivaletta. Stivaletta en contrôle. Feinte au cercle, remet vers le filet et Gauthier met la main sur le disque. On va punir le dernier geste. Alors qu'on a touché la mitaine du gardien. C'est Noah Woodard qui va être puni sur la séquence. Pour coup de bâton, on offre un avantage numérique aux lauréats encore. Les lauréats en avantage numérique, 11-35 à faire à la deuxième période. On est à la droite de Eve Gascon. C'est remporté par Chartrand des Patriotes et ensuite on rejette tout de suite par la rampe. Charon en contrôle. Remet à Cyr. De Cyr à Charon à nouveau. Vers Mainville. Remet à Laflamme. Laflamme au haut des cercles. Rejette à Mainville derrière. Redonne à Charon. Vers Cyr. Passe de l'autre côté à Laflamme. Tir, ça rate la cible. Dans la baie vitrée directement. La rondelle qui revient jusqu'à Cyr. En fond de territoire. Va remettre à la pointe à Charon. Charon glisse vers le centre, prend un tir, c'est dévié devant Gascon, ça rate à la gauche de la gardienne. Laflamme en contrôle. Remise à Mainville à la pointe, jusqu'à Laflamme à nouveau. Tir de Mainville, ça touche des patins, ça revient à côté de Gascon, et là on frappe sur la gardienne. Une rondelle qui était laissée libre, harponnée, autre retour. C'était laissé au cercle et bloqué à nouveau, c'est derrière le filet maintenant. Et William O'Brien va réussir à dégager jusqu'à Bisson qui. À Gauthier, pardon. Va y aller d'une longue passe jusqu'en zone neutre. En entrée de territoire, un tir, ça rate à la droite de Gascon et Stivaletta va dégager jusqu'à l'autre bout. Tir de Charon qui a complètement raté la cible, ça a permis aux Patriotes de dégager. Sondergaard maintenant remet. Sur sa droite, à Lagacé-Tessier, en contrôle et frappé ensuite par Apria en entrée de territoire. Doucet va aller récupérer derrière Gascon, rejette le long de la rampe, c'est bloqué par Gaudreau. Et derrière le filet, Apria va prendre le 10, dégagé jusqu'à Bisson, jusqu'à Gauthier, pardon.
qui va immobiliser ce disque et se fait enneiger ensuite par Stivaletta. Stéphane Gauthier qui a reçu bien de la neige sur lui au cours des derniers instants. Genre de geste qu'on aurait pu punir auprès des officiels. Mise en jeu emportée par les lauréats. C'est la Gassette ici qui va aller récupérer. Contrôle le disque au centre en pleine accélération. Il est rapide. Déborde la première carte. Au bas des cercles, prend un tir bloqué par Gascon. Retourne dans l'enclave. Et Gagné et Côté vont accélérer. Gagné rattrapé par la Gassette ici. Frappé et chute, mais réussit à contrôler le disque encore. Échappe ensuite celui-ci. Ça glisse jusqu'à la ligne bleue à Doucet. Doucet laisse à Après-Ricard. Longue passe vers Gagné de l'autre côté. De Gagné au centre. Et fend l'air Alexandre Côté qui avait une chance en or de prendre un bon tir directement dans l'enclave. Doucet va récupérer le disque en zone neutre, rejeté en fond de territoire derrière la défensive. Et là, mauvaise passe de la Gassette ici. Ça permet à Gagné récupérer le tir et le but. Et quel drôle de jeu de Michael Gagné qui célèbre son but qui était probablement l'un des moins beaux buts de cette saison des Patriotes. Mais il va le prendre, Michael Gagné. C'est son deuxième du match. Après une mauvaise passe de la Gassette Tessier qui a frappé dans ses patins, c'est revenu au cercle. Gagné sort sur une rondelle libre. L'échappe voulait passer de l'autre côté. Ça frappe les patins d'un défenseur des lauréats et ça glisse jusque derrière Esteban Gauthier. Et c'est 5-1 les Patriotes. Les enjeux remportés par les lauréats. Le Duc échappe le disque en entrée de territoire et la passe de Gagnon ensuite qui est interceptée par Blouin. Applique les freins au cercle. Remet à la pointe. C'est remis de l'autre côté ensuite à Chouinard. Chouinard tire, dévié sur Eve Gascon. Rondelle libre. Et elle saute sur le disque. Au vol avec Samikel. Mitaine donne aucun retour. 8,54 à faire à la deuxième. Les Patriotes viennent tout juste de marquer. C'est Michael Gagné avec son troisième de la saison. Antoine Gagnon maintenant va rejeter au centre à Danick Latour. En pleine accélération, on veut déborder Charon. Rejette finalement derrière lui et frapper Latour à nouveau par Charon. Chouinard va la remettre de l'autre côté. C'est récupéré par Massé. Remise dans l'enclave. C'était vers O'Brien jusqu'à Latour. Et bel arrêt du gardien Esteban Gauthier avec la mitaine. Là, un tir qui a été dévié. Tout près de son demi-cercle. Et une très bel arrêt de l'ancien de l'organisation des Patriotes. À la gauche, d'Esteban Gauthier. C'est remporté ensuite par les lauréats en territoire défensif. Longue passe jusqu'à l'autre bout. La coursière va accélérer au cercle. Ça mène devant Gascon. Bonne mise en échec. Et ensuite, McKenna qui l'attendait chute sur Eve Gascon qui se retrouve dans son filet. C'est délogé les amarres. Et Gascon semble un peu ébranlé là, à la suite de la dernière séquence. Se relève et retrouve ses esprits. Il va patiner quelque peu. À la suite de la dernière séquence, la gardienne Eve Gascon. Ça a frappé dur, là, la coursière et Mekana tout près d'elle. Mekana en a chuté jusque sur sa gardienne. Alors qu'on est toujours en train de remettre le filet dans ses ancres. Dans ses ancres. Ces ancrages, devrais-je dire. Ils sont déjà remportés par les Patriotes. Ça a été rejeté jusqu'en territoire neutre et intercepté ensuite par les lauréats. C'est la Gassette ici qui a rejeté jusqu'à l'autre bout. La défensive des Patriotes va récupérer. Et on amorce l'attaque. Massé en contrôle, ralentit quelque peu et se voit être trébuché en entrée de territoire. O'Brien remet à Gagnon. Bon tir directement dans la baie vitrée au-delà de la tête de Gauthier. Ensuite, c'est Doucet qui va quitter son poste pour tenter un tir dans l'enclave, parce qu'il manque de précision. Gagnon revient, prend un tir. Bloqué par Gauthier qui cherche le disque. Et Gagnon tentait de revenir devant le filet. Et on avait un coup de sifflet, là, il y a du bras camarade. Ça a frappé deux joueurs des Patriotes qui sont étendus devant le filet du gardien et lauréat. L'officiel a amené le coup de sifflet. C'est
7:48 à faire à la deuxième période. C'est 5-1 les locaux à l'aréna Ronald Caron. On vous remercie d'être en direct sur cette diffusion de la chaîne des Patriotes TV. Mise en jeu remportée par Simon Chartrand. Et dès la mise en jeu, on a vu l'officiel lever le bras. Il va punir Tristan Dulude pour obstruction, offrir un avantage numérique au lauréat. Autre chance pour la troupe de Martin Russell de s'inscrire au pointage. C'est remporté par les lauréats qui ont marqué aucun but en avantage numérique. Et là, Stivaletta coupe une passe. Va s'échapper devant Esteban Gauthier. Stivaletta, bonne fête. Accroché dans son échappée. Réussit à prendre un tir quand même. L'officiel a levé le bras. Et on va punir pour coup de bâton sur la dernière séquence. Et une bonne chance ratée d'Alessio Stivaletta qui, lui, se plaint, souhaitait avoir un tir de pénalité à la suite de la dernière séquence. Et puisqu'il a été capable de prendre un tir sur le gardien Esteban Gauthier, on ne donne pas le lancer de pénalité. Alors, le capitaine Gabriel Laflamme qui va gâcher l'avantage numérique de son équipe. On va évoluer à 4 contre 4 pour la prochaine minute et 50 secondes. Les lauréats sont en contrôle, en pleine accélération, c'est Cyr. Rejette derrière la défensive des Patriotes, va aller récupérer son propre disque. Cyr rejette maintenant derrière le filet. Apria est en poursuite avec Gaudreau. Apria laisse à Doucet qui va être frappé ensuite, mais remis juste avant à Stivaletta. Accélère, elle est sur Stivaletta en zone neutre. Traverse la ligne bleue, prend un autre tir, ça a frappé un bâton, ça se retrouve derrière le filet. Gaudreau va récupérer, frappé par Simon Chartrand. Bonne mise en échec de Simon Chartrand ensuite. Après, Ricard va récupérer la passe de Doucet. Va accélérer Doucet en zone neutre maintenant. Contrôle le disque. Applique les freins et fêter les Patriotes de la journée. Oh, et solide mise en échec. Ça ferait tout un cadeau d'anniversaire. Tout près de la ligne bleue. Tout près de son banc. Bonne mise en échec d'Isaac Doucet. Ça a frappé fort. Simon Chartrand maintenant. Et derrière le filet, Lagacé-Tessier récupère le disque, remet derrière Anthony Leduc, contrôle la rondelle, rejette jusqu'à l'autre bout et ça va être un dégagement refusé au lauréat. On va retourner jusqu'à côté du gardien Esteban Gauthier. Alors qu'on a refusé un changement au banc des lauréats, on va ramener Charon sur la patinoire. Mise en jeu remportée par les lauréats. C'est Lagacé-Tessier en fond de territoire sous la pression de côté. Le Duc vient l'aider. Mathis Laurence interpose, récupère le disque. Et Alexandre Côté vient l'aider. Finalement, les lauréats qui vont récupérer. On s'échappe. C'est en échappé. Seul devant le gardien, c'était Lebreu. Et un bon plongeon en repli défensif. Des Patriotes, ça a évité de laisser Lebreu s'échapper. Un tir ensuite qui a raté la cible. Chute de Lebreu en contrôle. Derrière le filet, Michael Gagné va se faire une passe pour lui-même maintenant derrière sa gardienne. Et Lebreu va lui mettre de la pression. Ça lui donne le sur la retourne, mais Mathis Laurent va aller récupérer alors que les deux pénalités viennent de prendre fin. On évolue à 5 contre 5. L'autre passe de Mathis Laurent vers Tristan Dulude qui a fait dévier vers derrière Sundergaard. Et frappé Dulude ensuite, rondelle libre dans l'enclave. Un dégagement qui est bloqué par William O'Brien. Remet à Tristan Dulude, passe dans l'enclave. Et Esteban Gauthier met le bâton sur la rondelle ensuite sa mitaine. Amène le coup de sifflet. 5-18 à faire à la deuxième. 5-1 les Patriotes qui mènent. 4 buts marqués en première période pour la troupe de Tim Archambault. Et un but de chaque côté en deuxième. Les enjeux remportés par les lauréats qui ont un excellent pourcentage au niveau de mise en jeu remportée cet après-midi.
Sortie de zone maintenant, c'est la Flamme qui contrôle le disque. Et on appelle un hors-jeu chez les officiels en entrée de territoire. On va prendre devant le banc des lauréats dans les prochains instants. Marcon devant l'Oranger, c'est remporté par l'Oranger. Et ensuite, un jeu de la Flamme qui est intercepté. Dégagement bloqué avec la main de Kevin McKenna. Hugolin et Marcon vient aider à sortir le disque du territoire. Ça va être remis ensuite, récupéré par les Lauréats et remis à la défense. C'est Sundergaard. Contrôle le filet et accélère. En pleine accélération, remet à Blouin. Va rejeter derrière Gascon. Rondel qui frappe l'extérieur du filet et Gascon met la main sur le disque. Et amène le coup de sifflet. Alors qu'il reste qu'un peu moins de 5 minutes à faire à cette deuxième. Mise en jeu remportée par les Lauréats, tente de s'installer. Rondelle libre dans l'enclave, c'est ensuite dégagé. Là, la coursière au cercle prend un tir. Sacrifice de Zachary Abréa-Ricard pour bloquer ce tir. Très bien joué de la part du défenseur alors que la coursière avait beaucoup d'espace devant lui pour prendre un bon tir. Massé maintenant, frappé devant le banc des Lauréats. Perd un peu le contrôle du disque, réussit ensuite à récupérer. Voulait remettre à Lato, c'est raté. La coursière va rejeter le long de la rampe. Doucet vient s'interposer. Zach Doucet tentait de déjouer ses adversaires. Ça frappe quelques patins. Incapable de récupérer ensuite. La défensive des Lauréats va dégager le long de la rampe. C'est bloqué par Apriat. Tire, ça rate. À la gauche d'Estébal Gauthier. Massé est là pour récupérer. Rejette au centre à Apriat. Tente un tir. Ça frappe le bâton des chaînes. Cire tente un dégagement. Guarnieri s'interpose. Ça ne quitte pas. On tabata maintenant en fond de territoire. Gagnon veut récupérer. Incapable. Et dégagement des Lauréats. Jusqu'en territoire des Patriotes. Massé et la coursière en course, c'est raté. Et bonne mise en échec entre la coursière et Laurent. Laurent qui gagne cette bataille et récupère le disque. Passe devant Gagnon qui était arrêté le long de la rampe et capable de récupérer la passe. Les Lauréats vont réamorcer leur attaque. Lob au centre, c'est raté du bâton de Mathis Laurent. Guarnier va rejeter le long de la rampe à Gagnon et passe vers Gagné qui voulait s'amener à contresens pour récupérer cette rondelle. Michael Gagné près de sa ligne bleue. Contrôle du disque accélère, évite les mises en échec à d'un saut. Gagné passe de l'autre côté, ça manque de précision dans les patins. Rondelle laissée libre, autre tir, touche un bâton. Et ça se retrouve dans le filet protecteur. Belle séquence de Michael Gagné qui connaît un très bon match. Cet après-midi, 2 buts déjà pour lui. Et a passé près d'en marquer un troisième. Mise en jeu remportée à nouveau par les Lauréats. C'est le capitaine La Flamme qui va aller récupérer. Il voulait remettre devant. Ça a été intercepté. Ensuite, on dégage par la baie vitrée. C'était Mainville. Et ça va être un dégagement refusé aux Lauréats. On va retourner en territoire défensif. 2 minutes 54 en première période. Dans les autres matchs disputés sur le circuit collégial aujourd'hui, les Janois du collège d'Alma l'ont emporté 4-0 sur les couleurs, les Cougars du collège Champlain et Knoxville. Et les Filons de cégep de Thetford qui ont signé une victoire de 5-4 en prolongation sur les Dragons du collège La Flèche. Passe dans l'enclave maintenant des Patriotes. Ça a été coupé par un bâton des Lauréats. Côté voulait rejoindre Michael Gagné à l'opposé. McKenna vient empêcher la rondelle de quitter le territoire. Gagné remet à Alexandre Côté. Le remettre dans le centre à O'Brien. Chute d'Alexandre Côté. Rondelle libre. Tire. Ça rate. Tout juste à côté de Bisson. Alexandre Côté laisse derrière à William O'Brien. Se fait remettre le 10. Veut donner à Gagné en fond de territoire. C'est finalement O'Brien qui va récupérer près de la ligne bleue. O'Brien quitte son poste. Remet à Côté derrière lui. Alexandre Côté dans les patins. Botte la rondelle jusqu'à O'Brien. Tire McKenna, ça reste en place. Passe de l'autre côté, intercepté par Estébal Gauthier avec son bâton. C'était bien joué. Michael Gagné maintenant en contrôle. Repousse d'une main vers Côté. Ça laisse à O'Brien. Tire bloqué par Estébal Gauthier. Avec l'épaule, ça touche le filet protecteur. On amène un coup de sifflet avec 2 minutes, 1 seconde à faire à cette deuxième période.
C'est remporté à la gauche du gardien des lauréats. Et l'officiel qui a chuté semble s'être blessé d'ailleurs sur la dernière séquence. On a fait une bien mauvaise chute là. Il est assis sur la patinoire. Et je vous annonce que c'est lui qui payera la bière pour ses coéquipiers après le match. Chartrand, la mise en jeu devant Édouard Trépanier, c'est remporté par ce dernier. Longue remise par la rampe, ça a été bloqué ensuite par Gabriel Ricard à la ligne bleue. Et on rejette en fond de territoire. Steve Valetta met en échec son adversaire. Réussit à récupérer le disque et dégagement bloqué. Doucet, contrôle du disque maintenant. Remet à Dulude, passe de l'autre côté, c'est raté pour Apria. Tire du coin, ça rate à nouveau. La rondelle qui va quitter le territoire. Simon Chartrand contrôle dans le haut de la zone. Passe au centre, trouve aucun preneur. On va accepter le dégagement. Là. Il y a eu beaucoup de circulation autour de la rondelle. Sondergaard remet de l'autre côté. Passe qui manque de précision. C'est un revirement dans l'enclave. Tire de Duluth. C'est bloqué avec la jambière de Gauthier qui donne aucun retour. Une belle chance de marquer pour Tristan Duluth qui était seul dans l'enclave maintenant. Une 12 à faire à cette deuxième période. 5 à 1 les Patriotes qui mènent. Toujours dans le collégial Division 1. En ce moment même, match qui est en cours pendant que là, F. Gascon est chute après un contact, un joueur qui s'était échappé jusqu'à l'autre bout. On va appeler une punition, là. J'avais les yeux rivés sur les scores alors qu'un joueur s'échappait. On va punir Gianluca Guarnieri sur la dernière séquence. Gascon, elle a chuté dans son demi-cercle, semble être correct également. Guarnieri qui a entraîné dans sa chute un des joueurs adverses. Ça va offrir un avantage numérique au lauréat avec 1-0-2 à faire à cette deuxième période. Comme je le disais dans le collégial en ce moment, c'est 2-0. Les rebelles du Cégep de Sorel-Tracy face au Griffon du Collège de l'Outaouais. Avantage numérique, les lauréats qui débutent à l'instant. Et on va chasser Mainville de la mise en jeu. La Flamme va venir le remplacer devant Marcon. C'est remplacé par les lauréats. Mainville, parce qu'il manque de précision, ça quitte le territoire. Charon est obligé de revenir sur ses pas en zone neutre. Mainville transporte le disque et contrôle et on appelle un hors-jeu en entrée de territoire. Les enjeux remportés par les lauréats. Les Patriotes vont tenter de récupérer. C'est raté. Mainville contrôle. Remet au centre à son capitaine Laflamme. Laflamme remet à Cyr. Cyr remet à la pointe vers Laflamme qui lui redonne le disque. Remise à Laflamme à nouveau à la pointe. On redonne à Mainville au haut des cercles. Jusqu'à Laflamme. Laflamme revient sur ses pas. Remet à Cyr. Cyr à Mainville. Jusqu'à Charon. À Mainville au centre. Passe coupée par un bâton. Il était bien joué de dégagement jusqu'à l'autre bout. Stéphane Gauthier va quitter son filet. Remettre du revers à Cyr de l'autre côté. 14 secondes à faire. Avec 9 secondes à faire, on hésite quelque peu. Passe maintenant au centre jusqu'à Mainville. Et ça va être un dégagement jusqu'à l'autre bout. Et c'est ainsi que va prendre fin cette deuxième période. Les Patriotes qui mènent 5 à 1 sur les lauréats du cégep de Saint-Hyacinthe. On fait une pause d'une quinzaine de minutes. On se retrouve dans quelques instants pour la description de la troisième période.
On est parti pour la troisième période. Chartrand devant Trépanier, c'est remporté par ce dernier. Les Patriotes qui mènent 5-1 pour débuter cette troisième période. Isaac Doucet rate sa passe et ça remis finalement après à Ricard qui dégage jusqu'à l'autre bout. Les Patriotes qui évoluent en désavantage numérique. Gianluca Guarnieri qui a écopé d'une pénalité pour avoir fait trébucher en fin de deuxième période. Derrière le filet, c'est Lagacé-Tessier qui contrôle. Remet à Drapeau, passe qui manque de précision. Retourne derrière Lagacé-Tessier. Jette en fond de territoire derrière Gascon. Tentait de couper cette passe, ça a été raté. Chartrand va ensuite mettre une bonne pression, remettre à Dulude au centre. Et la passe lui échappe. Garde le contrôle avec sa main, c'est Tessier. Voulait remettre des bons coups de pied, tel un Ronaldo devant le filet. Zachary Abrière-Ricard botte cette rondelle, ça permet au pass de dégager. Ensuite, dégagement intercepté au vol par Tristan Dulude. Chouinard maintenant pendant que Guarnieri quitte le banc des pénalités. On revient à égalité numérique. Chouinard remet de l'autre côté à Mainville. Rejette au centre. O'Brien récupère et remet à McKenna. McKenna remet à Marcon dans les patins, capable de récupérer. Et Laflamme va donner à Mainville en contrôle. Laflamme prend un tir du revers maintenant. C'est bloqué par Gascon. L'officiel a levé le bras. Et on semble décerner une autre pénalité aux Patriotes. Et non, c'est les lauréats qui vont être chassés. On appelle une pénalité pour obstruction à Olivier Beaupré. Et lui qui provient des Sharks de San Jose Junior dans un calibre équivalent au M18-3 ici au Québec. Évolué aux États-Unis au cours des dernières années, Beaupré. Les enjeux remportés par les lauréats, ils vont ensuite dégager par la baie vitrée. Après, Ricard va aller récupérer quelques feintes et ça défaire de Blouin qui était à sa poursuite. Après, Ricard remet devant lui à Alexandre Côté qui rejette derrière à Michael Gagné, va le transporter. Michael Gagné applique les freins en entrée de territoire et est au cercle maintenant. Vous le remettre dans l'enclave, c'est bloqué. Et dégagement de Sundergaard jusque de l'autre côté. Rondelle récupérée par Gagnon, prend son temps, remet au cercle à Gagné. À la recherche de son troisième, un tir, c'est bloqué par Sébastien Gauthier. Chute derrière le filet à deux joueurs. Dégagement bloqué à deux reprises par Antoine Gagnon. Il réussit à récupérer, ensuite remet à Gagné derrière lui. Gagné, remet à Gagnon. Récupère d'une main, remet ensuite derrière lui. Passe imprécise en pleine accélération. Le Duc va rejeter jusqu'à l'autre bout. Dégagé. Et on a écoulé déjà une minute à l'avantage numérique des Patriotes. Après, Ricard laisse derrière lui à Gagné, qui remet à Gagnon. Lance cette rondelle derrière le gardien Gauthier, qui sort, la bloque partiellement. Michael Gagné va venir remettre à la pointe à Zachary après Ricard. Remet de l'autre côté Antoine Gagnon. Feinte au cercle seul. Tir et dans la mitaine de Esteban Gauthier. Tu l'arrêtes avec sa mitaine, on va aller reprendre à sa gauche. L'ancien de l'organisation des Patriotes qui évoluait avec la formation de division 2 l'an dernier, Esteban Gauthier. Dégagement ensuite à la mise en jeu des lauréats jusqu'à Gascon qui va bloquer cette rondelle avec son bâton. 30 secondes à faire à l'avantage numérique. 17 minutes 5 à faire à cette troisième période. Guarnieri rejette en fond de territoire des lauréats. Cyr et Gamache sont là pour la rondelle. La Taureau aussi. Marcon vient s'en mêler pour les Patriotes. Une rondelle qui est bloquée. Et ensuite, dégagement intercepté. Et on dégage les lauréats alors que Beaupré va quitter le banc des pénalités dans les prochaines secondes. C'est fait. On est de retour à égalité numérique avec Danick Latour qui va contrôler le disque. Accélère en zone neutre. Feinte entre les patins du défenseur Cyr. Mise en échec ensuite, passe dans l'enclave, tir bloqué. Danick Latour prend son temps, est au bas des cercles. Tir bloqué dans les jambières de Sundergaard et Mainville va aller récupérer. Rejette le long de la rampe. Plongeon ensuite de Lebreu. Va remettre devant Mainville. Mainville accélère.
Un contre un devant Mathis Laurent. Belle fin de tir. Bloqué vers le bâton de Laurent. Ça se retrouve dans la baie vitrée. Mise en échec. Ensuite, Marcon va les récupérer. Remettre au centre à Jérémy Gamache. Gamache en contrôle. Quelques feintes en entrée de territoire. Tente de déborder. Tire. Frappe la bande. McKenna ensuite. De la pointe. Prend un tir. Retour bloqué devant. Et ça glisse tout juste à gauche de Gauthier. Alexandre Alessio-Stivaletta maintenant. Veut garder cette rondelle en territoire offensif. C'est fait. Prend un tir. C'est bloqué. Retourne en enclave. Marcon chute. Ça va être récupéré par Gaudreau. Passe qui manquait de précision. McKenna va intercepter. Et rejeté en lob jusqu'à Stivaletta qui fait dévier derrière Chouinard. Marcon va aller récupérer. Applique les freins et frapper légèrement. Stivaletta vient l'aider. Récupère le disque. Remet derrière lui à Marcon qui remet ensuite à Dulé dans le fond de territoire. Incapable de récupérer. Stivaletta va le faire. Tourne le cercle. Remet derrière le filet maintenant. Dulé est là. Capable de récupérer le disque à nouveau. On va tenter la contre-attaque, mais la flamme voulait aller changer. Rejette le disque. Jusqu'en territoire des Patriotes. C'est Stivaletta qui récupère. Remet à McKenna. Longue passe jusqu'à la ligne bleue vers Simon Chartrand. Sundergaard lui soutire le disque. Remet de l'autre côté à Lagacé. Lagacé est ici. Dégagement bloqué par William O'Brien à la recherche du disque. Et Stivaletta empêche la rondelle de sortir du territoire. Toujours en contrôle. Voulait prendre un tir. C'est raté. Après A maintenant près de la ligne bleue. Coupe le dégagement et réussit à garder la rondelle en zone des lauréats à deux reprises. Dégagement de Sundergaard par la rampe jusqu'à l'autre bout et ce sera refusé au cégep de Saint-Hyacinthe qui vont devoir retourner jusqu'en territoire défensif. Là où s'est passée la majorité de l'action jusqu'à maintenant en troisième période. 5-1 les Patriotes, 14-34 à faire à cette troisième période. Mise en jeu remportée par Marcon Franche sur le bâton de Woodard. Son tir a été bloqué. Et on va amorcer la contre-attaque. La coursière rejette derrière Gascon. Elle sort de son filet, laisse finalement la rondelle passer. Prend quelques peu de temps à revenir devant son filet. Et Doucet va venir l'aider. De rejoindre Marcon en sortie de zone, c'est raté. Ça a été rejeté derrière le filet. Après, elle va reprendre le disque. Se passe la rondelle pour lui-même avec le filet. C'est la troisième fois que les Patriotes réussissent ce coup ce soir. En contrôle maintenant, c'était Sundergaard. Voulait remettre d'une passe soulevée vers le Duc. Après, il est capable de récupérer le disque à toucher. C'est pourquoi le dégagement est accepté. Miketti maintenant lui remet à Apria. Mauvaise passe et Marcon s'interpose un peu. Là, les lauréats récupèrent rondelle dans l'enclave. Plongeon de Hugolin Marcon qui vient bloquer un tir. C'est sacrifié pour l'équipe à son tour. Tel beau jeu défensif du joueur de centre des Patriotes qui est venu bloquer le tir d'un plongeon. Il est étendu de tout son long sur la patinoire directement dans l'enclave. Patriotes qui amorcent leur sortie. Passe soulevée d'Alexandre Côté. Ça trouve aucun preneur. Charon va aller récupérer derrière son filet. Laisser derrière lui à Cyr. Cyr au centre. Rejoint l'Oranger. Guarneri va aller à la poursuite du 10. Va récupérer, remettre à Mathis Laurent. Pousse devant lui vers Michael Gagné. Va accélérer. Gagné va remettre sur sa gauche. Ça a été coupé. Drapeau maintenant en entrée de territoire pour les lauréats au cercle. Dans le fond de territoire vers l'Oranger, c'est dans ses patins. Guarneri récupère, remet de l'autre côté Alexandre Côté. Recrue des Patriotes qui fait une passe dans les patins de Mathis Laurent. La rondelle qui vole dans les airs finalement reste sur le jeu. Gamache voulait rejoindre Alexandre Côté dans l'enclave. C'est raté. Là, le disque qui échappe à Mathis Laurent près de la ligne bleue. Va être obligé de retraiter. Lagacé est ici en contrôle. Longue passe vers son coéquipier Laflamme. Mathis Laurent était là pour couper le jeu. Chouinard maintenant, zone neutre, traverse la ligne rouge et rejette derrière Mathis Laurent. Il va vouloir récupérer. Mainville est arrivé le premier. Il voulait remettre à Laflamme. Ça a été raté. Et la longue passe de Guarneri vers Michael Gagné. Et Chouinard va finalement récupérer cette rondelle. Alexandre Côté maintenant au cercle. Tourne le filet, Côté, applique les freins, revient un peu sur ses pas, se récupère ensuite par Chouinard, voulait dégager, ça frappe les jambières de la tour et à la deuxième tentative, il réussit. Michael Gagné maintenant, en haute zone, Gagné en contrôle, au cercle, revient derrière lui, a beaucoup d'espace près de la ligne bleue et hésite un peu, réussit à battre la gassette ici d'une belle fin, toujours en contrôle, Michael Gagné, tourne en zone offensive, remet au centre vers Alexandre Côté. Bon tir repoussé vers le bâton. Le bouclier, pardon, d'Esteban Gauthier. Et
On entend le coup de sifflet des officiels. 11-37 à faire à la troisième. 5-1. Les locaux qui mènent. C'est remporté par Trépanier en territoire défensif et Sundergaard va récupérer. La tour qui touche le bâton, la rondelle avec le bâton bien élevé. Et c'est pourquoi on entend le coup de sifflet tout de suite après. On va reprendre à l'extérieur du territoire des Patriotes. Les enjeux remportés par Massé, mais le Duc a sauté sur le disque, a récupéré. Et ensuite, la défense des Pats qui s'est interposée pour remettre à Massé. Massé en entrée de territoire, laisse derrière lui à Antoine Gagnon. Remet derrière lui à nouveau à Mekena. Tir dévié, bloqué par Esteban Gauthier. Et les lauréats vont amorcer leur sortie de zone. Mise en échec sur Gagnon. Ça brasse devant le banc des lauréats. Là, on est en bataille à plusieurs joueurs pour la rondelle. Celle-ci vient de sortir. Mekena a poussé à son tour. Et Gagnon voulait y aller d'une passe en finesse vers Massé. Ça ne trouve pas sa palette. Longue passe maintenant au centre. C'était pour Lebreu. O'Brien est venu repousser, mais Sundergaard récupère. Remet à Cyr de l'autre côté vers Sundergaard à nouveau. Au centre, c'était une longue passe tentée pour Trépanier. Ça ne touche pas la palette et ça va être un dégagement refusé. 10-40 à faire à la troisième. 5-1 les Patriotes. À la droite du gardien Gauthier. Mise en jeu remportée par Trépanier des lauréats. Tire ensuite d'après Ricard qui rate la cible. Doucet a quitté sa position, voulait feinter, c'est raté. Finalement, Chartrand à la ligne bleue, incapable de récupérer le disque. Et joue bien son jeu, là, réussit à faire chuter l'adversaire à récupérer le disque. Alessio Stivaletta applique les freins en entrée de territoire. Duvid vient l'aider, tire, rate la cible tout juste à côté de Gauthier. Belle feinte de Simon Chartrand pour éviter la mise en échec. Et le Duc, lui, a frappé un mur tout juste devant lui. Après, a mis en échec. Maintenant, devant nous, les Patriotes qui ont rejeté derrière le gardien Gauthier. Un contrôle derrière le filet, c'est Sundergaard. Longue passe vers Blouin. Rejette derrière Guarnieri. En course, c'est remporté par Blouin. Contrôle derrière Gascon. Mise en échec. Mathis Laurent va aller récupérer. À la ligne bleue, remet maintenant à Stivaletta devant lui. Stivaletta jongle avec le disque, c'est un jeu bloqué. Et Degagné a été incapable de remettre cette rondelle au centre. C'est revenu jusqu'à ses défenseurs et ensuite à la défensive des Patriotes. Mathis Laurent et Guarnieri s'échangent la rondelle. Longue passe jusqu'à Stivaletta sur le flanc gauche. Prend un tir, c'est bloqué par Bisson. Le retour est contrôlé. Marcon va aller récupérer le long de la rampe. C'est ensuite intercepté par les lauréats. C'est Saint-Jean qui a 10 derrière son gardien. Passe à Degagné en sortie de zone. C'est coupé par Laurent. Miquetti s'en mêle. Rejette en fond de territoire. Passe entre les jambes de Marcon. C'est raté. Lagacé-Tessier va remettre à son coéquipier maintenant à côté de lui. Et lob jusqu'au centre. C'est maintenant en territoire des Patriotes que Guarnieri va relancer l'attaque de l'équipe. Passe au centre vers Marcon qui fait dévier jusqu'à Woodard qui est en poursuite, revient devant, tente un tir, c'est bloqué vers la jambière et le retour est récupéré par Drapeau de Saint-Hyacinthe. Drapeau entre en zone, déjoue les défenseurs, ça crée de l'espace pour la coursière, échappe le disque. Beau jeu de la défensive des Pats en fond de territoire maintenant et on va réussir à ressortir. Longue passe, Miquetti était la cible, c'est ensuite raté. Sundergaard et Miquetti en course pour la rondelle. Bisson sort de son filet, met la main sur la rondelle. Amène le coup de sifflet de l'officiel. Le temps avance de plus en plus pour les lauréats qui n'ont plus que 8 minutes 30 pour combler l'écart de 4 buts dans le match. Mise en jeu à la droite du gardien Esteban Gauthier. C'est remporté par les lauréats, c'était Mainville. Kevin McKenna ensuite intercepte le dégagement, rejette derrière le filet. C'est bloqué. Sortie de zone à nouveau et le harpon de O'Brien mène cette rondelle à quitter le territoire. À quitter la surface de la cible, pardon.
On va aller sur l'autre point de mise en jeu. Mise en jeu remportée par les Patriotes. Ensuite, la rondelle échappe à Alexandre Côté qui applique de la pression en fond de territoire. Jérémy Gamache est là aussi, rejeté de l'autre côté. O'Brien empêche la sortie de territoire, jongle avec le 10 près de la ligne bleue et rejette finalement derrière le gardien Gauthier. Côté récupère, applique les freins, mise en échec maintenant. Bon travail de la défensive des Lauréats qui récupère le disque. C'est rejeté par la rampe et le dégagement qui est bloqué, mais le deuxième quitte. O'Brien sous la pression de deux joueurs des Lauréats. Bonne mise en échec directement dans le dos et l'officiel était là, a vu la séquence et a levé le bras. On va avoir un avantage numérique aux Patriotes dans les prochains instants. C'est Olivier Beaupré qui va être puni. Deuxième pénalité pour lui dans le match. Donne une pénalité pour avoir donné de la bande. Et avantage numérique, les Pats qui pourraient en marquer un sixième ce soir. C'est remporté par Carl-Anthony Massé après avoir mettre Antoine Gagnon de l'autre côté. Jusqu'à Massé, au bas des cercles, à la pointe à Gagnon. Gagnon en contrôle au cercle à Gagné qui lui remet tout de suite au bas des cercles. Antoine Gagnon contourne le filet. Remet à Alexandre Côté dans les patins qui réussit à récupérer le disque. Côté vers Apréa qui remet dans son dos à Gagnon qui a tourné. Voulait rejoindre Gagné dans le centre. Tire! Et c'est passé tout près d'être un tour du chapeau pour Michael Gagné qui a coupé cette passe dans le centre, réussi à prendre un tir du revers. Longue passe de Apria vers Côté qui va longer la ligne bleue. Finalement, laissé derrière lui à Michael Gagné. Voit de l'espace devant lui. En profite. Voulait remettre de l'autre côté à son allié Alexandre Côté. Là, en bataille, Massé est bloqué par Cyr, mais Côté vient récupérer. Prend un tir. C'est bloqué par les jambières de la défensive. Bon jeu du défenseur. L'agacé Tessier. Antoine Gagnon remet au haut des cercles à Michael Gagné dans l'espace. Remet derrière lui à Gagnon. Tire, retourne dans l'enclave. Tire d'Alexandre Côté. Bloqué à nouveau par le bâton d'Esteban Gauthier. Bien joué de la part du gardien des Lauréats. Michael Gagné, deux belles feintes en territoire. Remet Antoine Gagnon à l'autre cercle. Beaucoup d'espace sur la patinoire. Les joueurs des Patriotes en profitent. Antoine Gagnon passe quelque peu raté vers Massé. On va lui remettre le disque tout de suite après. Gagnon a gagné maintenant. Frappé en fond de territoire. Remet derrière le filet. Dégagement. Et les Patriotes vont être punis. C'est Carl-Anthony Massé qui va être puni. Et là, il est frappé par l'agacé Tessier après. Là, ça chamaille en fond de territoire. Beaucoup de brasses camarades. Carl-Anthony Massé va être chassé. Et à moins que je m'y trompe, l'agacé Tessier aussi sera puni. Il vient de faire perdre l'avantage numérique à sa formation. Beaucoup de discussions sur la patinoire. On va rester en avantage numérique pour les Patriotes. Donc, on donne une pénalité de 2 minutes pour avoir fait trébucher à Carl-Anthony Massé. Et 2 minutes à l'agacé Tessier pour Rudess. Donc, une mineure double qu'on accorde sur la dernière séquence. 6-17 à faire à la troisième. Là, on est en discussion au banc des Patriotes. Derek Bureau qui discute avec les officiels. Parce que la mise en jeu est en territoire des Patriotes en ce moment. On est prêt à prendre. C'est remporté par Hugolin Marcon en territoire défensif. Remet derrière à... Tout de suite, Guarneri remet à Laurent qui a donné à la tour et la rondelle lui revient tout de suite après.
Mathis Laurent écoule quelques secondes derrière la gardienne Gascon. Longue passe au centre vers Golin Marcon, qui remet derrière lui à Gianluca Guarnieri. Rejette derrière le filet. Danick Latour va aller récupérer, laisser passer la rondelle jusqu'à Gamache. Le Gamache à Laurent, dans les patins à Gamache. L'espace remet à Latour derrière lui. Latour dans l'espace, veut revenir dans le centre. Déborde la défensive, contourne le filet, tire du coin, voulait surprendre le gardien Gauthier au-delà de l'épaule, c'est raté. Drapeau maintenant en contrôle. Au cercle, prend un tir bloqué par la jambière de Eve Gascon. Dans son élément, encore une fois ce soir, la gardienne Gascon très solide devant son filet. Jérémy Gamache en sortie de zone remet à Hugolin Marcon et c'est une passe dangereuse. Là, on avait vu le joueur des lauréats se ramener pour frapper Danick Latour qui a évité la mise en échec de justesse. Ça aurait pu être dangereux la dernière séquence. La confusion à la ligne bleue. Kevin McKenna chute dans le bâton de Jérémy Gamache au moment de l'entrée de zone de la flamme des lauréats. Et la confusion encore une fois. Mauvaise passe de Marcon. Gascon dévie la rondelle avec son bâton. Situation de 2 contre 2. Latour avec Marcon. On laisse à Latour derrière. Beau repli défensif de Mainville. Ça permet à la flamme de récupérer qui va remettre de l'autre côté jusqu'à la coursière. Passe au centre vers Mainville et jeu bloqué. Beau repli de Kevin McKenna. Duluth voit sa sortie de zone être coupée, mais vient être aidé par Simon Chartrand. Les Patriotes récupèrent. C'est McKenna, au territoire défensif, rate sa passe. Remet de l'autre côté à O'Brien jusqu'à Duluth en zone neutre. Passe entre les patins et c'est Chartrand qui contrôle. Ramène au cercle, tente un tir au-delà de l'épaule. C'est raté dans la bivitrée. McKenna sur réception, tire directement sur la coursière. Échappe le disque et belle feinte de Blouin ensuite. Blouin en contrôle, rejette. En coin de patinoire, Gascon met la main sur la rondelle. Ça va amener le coup de sifflet avec 4-12 à faire en troisième. Pendant que Massé et Lagacé-Tessier quittent le banc des pénalités. C'est remporté par le centre Saint-Jean des lauréats. Les Patriotes qui vont contrôler le jeu. C'est remis maintenant à Marcon. Marcon contrôle le disque. Chute en contrôle de rondelle. C'est rejeté maintenant de l'autre côté. Et Michetti redonne à Apriaricard jusqu'à Doucet de l'autre côté. Doucet, le long de la rampe à Woodard, tentait une passe au centre. Complètement raté. Ça va se transformer en dégagement refusé. Et les lauréats vont avoir une mise en jeu en territoire offensif avec 3,43 à faire à la troisième période. Les Patriotes qui mènent actuellement 5-1 sur les lauréats du cégep de Saint-Hyacinthe qui étaient en visite. Mise en jeu remportée par les lauréats. Un tir qui a raté à droite de Gascon. Et Michetti s'interpose et la passe d'un attaquant des lauréats vers la défensive qui manquait de précision. On va retraiter jusqu'en territoire défensif. C'est Cyr, contourne le filet, applique les freins, laisse à Charon. Longue passe jusqu'à Lebreu et Apriaf laisse interposer. A été bloqué par le bâton de Lebreu, justement. Michetti, le long de la rampe, remet à Marcon. Beau contrôle de rondelle. Longue passe soulevée vers Doucet, la rondelle qui bondit. Et là, on appelle un hors-jeu à retardement pour les Patriotes. Doucet qui tente de sortir était pris dans les adversaires pendant que Cyr jongle avec le disque. Deux belles feintes en sortie de territoire. Bas deux joueurs des Patriotes, toujours en contrôle. Déborde Doucet, s'amène au filet, tir bloqué. Ensuite, tentative de remise dans l'enclave, ça touche un patin. Et c'est récupéré par Mathis Laurent. Remet maintenant Alexandre Côté en vitesse, pousse la rondelle devant lui, échappe son bâton. Il est capable d'aller récupérer cette rondelle. Applique les freins maintenant, c'est Mathis Cyr. Produit des Gaulois, lui, tient sa scène dans le 18-3. Gagné applique de la pression après que Sundergaard ait récupéré cette rondelle. Sundergaard contrôle, rejette en fond de territoire. Ça touche le filet protecteur et on amène l'arrêt de jeu. 2-29 à faire à cette troisième période. 5-1. Le cégep de Saint-Laurent qui mène sur le cégep de Saint-Hyacinthe. Mise en jeu remportée par Michael Gagné en fond de territoire. Laurent va rejeter de l'autre côté jusqu'à Gamache. Et très bien exécuté là, des Patriotes la dernière sortie de zone. Longue passe, c'est coupé par Saint-Jean.
Côté vient le mettre en échec, récupérer la rondelle, remet à Gagné au centre. Gagné revient sur ses pas, sous la pression de Drapeau, rejette derrière à Guarnieri. Guarnieri remet à Laurent. Derrière le filet maintenant, à nouveau à son partenaire. Il va vouloir accélérer, transversal à Laurent. Laurent en contrôle, beaucoup d'espace devant lui, laisse derrière finalement à Michael Gagné, qui rejette derrière le gardien Gauthier. C'est en contrôle Alexandre Côté qui va se créer de l'espace, veut remettre devant Michael Gagné, passe qui manque de précision. Et le filet a été désancré de ses amarres. On amène un sifflet, 1:46 à faire à la troisième période. Patriotes qui sont en voie de l'emporter jusqu'à maintenant 5-1 sur les lauréats du cégep de Saint-Hyacinthe et en voie de signer une sixième victoire cette saison. Il y a donc une fiche de 6 victoires et 4 défaites après 10 matchs. Mise en jeu emportée par les lauréats. C'est Charon qui va récupérer le disque. Il a laissé derrière à Cyr. Derrière son filet, Cyr. En contrôle, remet devant à Blouin. Passe dans les patins. Ça va être un dégagement refusé au lauréat. On va retourner jusqu'à l'autre bout de la patinoire. Un jeu de transition raté chez les lauréats. Alors que le match tire à sa fin. Et Eve Gascon qui est en voie, premièrement, d'améliorer sa moyenne de but accordé encore une fois. Mais en voie de signer une cinquième victoire en autant de départs cette saison. Mise en jeu remportée par les Patriotes. C'est Miketti qui récupère la rondelle prise dans ses patins. Woodard voulait remettre devant. Gauthier met la main sur la rondelle. Coup de sifflet. Et on arrête le tout à nouveau. Mise en jeu remportée par les lauréats. Dégagement dans la baie vitrée. Et ça rejoint à l'autre bout la coursière. Incapable de récupérer le disque. Qui a été harponné maintenant par O'Brien. Woodard et Blouin en bataille au centre. O'Brien applique les freins maintenant. On approche la dernière minute de ce match. Longue passe jusqu'à Stivaletta qui récupère. Laisse sur le flanc gauche à Miketti. Tire directement dans le plastron d'Esteban Gauthier. On va aller reprendre à sa gauche avec 57 secondes à faire. Les Patriotes qui vont l'emporter 5-1. Sur les lauréats du cégep de Saint-Hyacinthe. Mise en jeu remportée par Massé, remet à Gagnon, tire, retour, laissé dans l'enclave, la tour saute dessus, rate la cible, tout juste à côté du filet qui était désert. Ça lui revient, la tour d'ailleurs, la tour, sous la pression, remet à Pierre Ricard, glisse devant à Gagnon, belle fin de tentée, c'est finalement bloqué, et Chouinard va lober jusqu'au territoire des Patriotes. Dégagné va gagner la course. Accepter le dégagement. 35 secondes à faire. Dégagné en contrôle. Tourne le cercle. Remet au centre. C'est bloqué ensuite par Isaac Doucet. Va accélérer. Revenir sur ses pas. On va tenter d'écouler les dernières secondes de ce match. Longue passe de Doucet vers Gagnon. Va remettre au centre à Latour. Latour contrôle. Passe dans les patins de Chouinard. Mise en échec d'Annick Latour ensuite. Et là, Massé vient s'en mêler, tout comme Gagnon. On est à 6 joueurs présents en fond de patinoire. 5 secondes à faire au match. Et c'est ainsi que les dernières secondes vont s'écouler. Et là, Gagnon a marqué avant la fin du temps réglementaire. Antoine Gagnon va être crédité du but. Antoine Gagnon qui vient de marquer. Les lauréats avaient arrêté de jouer. Et Antoine Gagnon marque le 6e des Patriotes. Quelle drôle de séquence. Le gardien Stéphane Gauthier avait arrêté complètement de jouer. Et Gagnon jette la rondelle vers le gardien. On n'effectue pas l'arrêt. Et le 6e but va être bon. Les Patriotes qui vont l'emporter 6-1 sur les lauréats du cégep de Saint-Hyacinthe. Et quel drôle de jeu en fin de match. Aucun autre choix que d'accorder ce but à Antoine Gagnon. Il va confirmer la victoire des Patriotes. 6-1 sur les lauréats du cégep de Saint-Hyacinthe. Les 3 étoiles du match s'amènent dans les prochains instants. Patriotes qui quitte la patinoire sous les applaudissements de la foule. Après une belle victoire.
Et on vient de confirmer le but d'Antoine Gagnon dans un filet où le gardien Stéphane Gauthier avait arrêté, croyant que le match prenait fin. Le tir de Gagnon qui a glissé jusque dans le fond de la cage avant que le temps réglementaire se termine. Un score final de 6-1. Gardien Neuf Gascon qui est maintenant 5 victoires en 5 matchs. Eve Gascon, justement, avec une victoire, un seul but accordé ce soir. 5 victoires en 5 matchs pour elle cette saison. Carl-Anthony Massé, deuxième étoile de ce match. Et à sa demande, je me dois de le faire. Michael Gagné qui a connu un excellent match. Et je dois dire, Michael, le magnifique Gagné avec une première étoile dans le match. Ce soir, victoire des Patriotes 6-1 face au lauréat des Cégeps de Saint-Hyacinthe. Mon nom est Alexandre Longtou, je vous remercie d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 12h30, pour le prochain match des Patriotes à la maison. Les Gaillards du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue seront en visite. Bonne soirée tout le monde.